pays. Là, nous, on part, j'ai laissé la lumière là-bas, tu arrives, il n'y a plus la lumière. Et nous, on est en train de jouer les ping, ping, ping. Ton son est résolu, quand il n'y a plus l'énergie, c'est la catastrophe. J'étais là au bas, il y avait le courant. J'arrive ici, on a coupé, ping, ping. Bien, mais même son est le premier à la Cameroun. Ça. Je m'en avais dit, tu fais un organe. Tant que je suis déjà avec toi, jusqu'à j'ai démarré là, fais l'effort que ton nom saute avant. Je t'ai tout dit ça, comme si ma pardon soit là, c'est mort. Okay. Oh. Tu vois très bien, tu vois ce monsieur. Une consommatrice. Moi, c'est l'amour qui va me tuer, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, je me wobimi. Fais papoter le gars là, fais le popcorner. Qu'il popcorn, qu'il nous dise tout. Tu arrives, mais tu oublies qu'on a mission. Quand tu donnes l'argent, on fait moumou. On doit te donner les liquidités. La vie, c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Et moi, je ne sais pas où toi tu mets sur ton téléphone. Où tu lances ton téléphone, où on appelle, soit si ça ne décolle pas, soit ça ne passe pas. Tu ne vois pas que les jours-ci, le réseau dérange. Avec les pluies, chaque jour, pluie. Mais le réseau dérange grave, gars. Grave. Tu as fait fort. Donc, je voulais t'appeler qu'on a une intervention quelque part. Mais comme je n'ai pas pu t'avoir, je suis allé seul. Poum poum. Poum. Oui. T'as zouzou. Tiens. Rubona, je demandais. Quand toi tu dors, tu penses que. Est-ce que c'est. Moi je ne dors pas. Moi je ne dors pas. Toi tu es encore couché. Et pourtant on a une mission. On n'a même pas encore de réponse. Mais toi tu dors. Oui, il y a des problèmes. Est-ce que tu sais que hier, par rapport à l'histoire de. Le leader, ah, le président. Il fallait qu'on fasse la convenance, donc le deal. Le deal qui s'est dealé entre lui avec le milliardaire. Oui, c'est vrai. Hier, je suis allé un peu creuser. Tu dis, je suis allé creuser. J'arrive, je sonne. Amour, c'est son fils là. Vous avez rendez-vous, mais rendez-vous de quoi? Je suis au quartier avec quelqu'un, il va encore prendre rendez-vous. J'ai son numéro où? Et tu es tranquille, ton esprit est libre, de m'amener libre. Je pense que toi, tu te contentes seulement que tu vas en gagner. Dès que Fingon te donne ça, on est où? Mais tu as dit que c'est monsieur impossible. Oui, non. Donc ça veut dire ça c'est la décoration. On a dit que je devais mettre ce qu'il a dit sur pied. C'est quand je sors de là, je m'en vais voir Aiko Bins. Je dis que j'étais sur le parquet là, il m'a mal parlé. Aiko me dit qu'il était là-bas avant moi, ça nous dit. Donc ça dit que si elle ne disait pas Aiko, Aiko ne disait rien. Merde, le type là. On fait quoi de lui? Si on ne fait pas comme la coalition, la coalition donc, si on ne fait pas comme les partis politiques, c'est-à-dire on se solidarise, on devient une personne pour pouvoir viser loin. Parce que si même, c'est parce que nous-mêmes, on ne fait pas la coalition ici, dans le pays. Sauf la coalition, c'est que ce n'est plus la même situation qu'on vit. La coalition, c'est vrai. Non, c'est une concentration. Ça veut dire qu'on mélange nos forces. Ça veut dire qu'on prenne. On soit unis. On soit unis pour combattre une personne. Okay. Tu vois un peu, non? Oui, je comprends. Mais Aiko, là, non, il s'est déjoué de nous. Mais il m'a aussi dit. On a déjà d'habitude avec le type, là. Que chaque fois, on s'entend sur quelque chose, lui, il fait autre chose. Tu vois ce qu'il me dit? Il dit que j'allais te dire. Okay, mais tu allais me dire quand? Il me dit que non, on laisse tomber ce qui dépasse. L'homme ne peut pas dépasser la femme. Qu'il a monté poum poum de toutes pièces. Que Poum Poum va mettre sa langue, envoyer sa langue dans les oreilles du président. Il va fléchir, il va nous dire ce qui se passe. Si tu dis une mission impossible, c'est la décoration. Tu sais même comment les mots se gâtent. Non, pas juste arrange ça. Je ne veux pas les gâter. Juste arrange. Tu vas arranger.
va là-bas. Je ne connais même pas Nguru Djambo préliminaire. L'amour, ce n'est pas que tu tombes premier, il monte, il fait. Je t'ai dit préliminaire, atteint son nerf sciatique. Il doit bavarder, il doit dire toute la vérité. Bon, l'amiral, comme tu es là-bas, ça n'a pas donné. Ou parce que moi aussi, il faut que j'aille là-bas. Mais nous, tu n'as pas encore causé le type là en face comme ça. Le type là va te sortir un français où il va t'insulter de la plus pire des manières. Ouais. Le type là m'a mis comme ça, il m'a défini. Il m'a fait ce qu'on a dit, l'analyse logique. Chacun a sa chance. Et moi, je sais que je n'ai peur de personne. Ah, yes, il va aller là-bas. Ouais, moi, je sais que mon avis actuellement ne compte pas. Quand tu décides de faire une chose, même si on dit non, tu fais toujours. Là, si tu veux voir avant d'accepter, vas-y, tu vas voir. Mais c'est pas moi de chez moi. Nous, ça a raté jusqu'à peu près moi de chez moi. Le but, c'est quoi? De savoir ce qui se passe entre les deux. Non? Ok, d'accord. Alors, laisse-moi aller. Je passe bien. On se prend dans le coup, chez Alco, dans le temps. Dès qu'elle finit là-bas, je t'appelle. Ok. Oui, donc je t'appelle. Tu as chez Alco, fais-moi signe. Oui, je pas là-bas, je suis le père, là, je suis le milliardaire. Ok, comme tu veux. Il là-bas, il pas chez Alco, il t'appelle dans chez Alco. D'accord, d'accord. Ok, frère. Il n'y a pas de problème. On en sort. Tout à l'heure. Bien dosé. C'est un bon gars. Non, là, moi, je suis. C'est mon bon cœur qui va me tuer. C'est mon bon cœur qui va me tuer, je te jure. Les gens comme ça ne durent pas sur terre, ils ne réussissent même pas. Quand tu aimes les gens. Oh, Rukujo, tu dors, ta vie dort. Petite mission, fais bavarder un homme. L'homme, le moment le plus parodique où l'homme bavarde, c'est quand ça vient des gars. Promets, je vais t'acheter l'avion, je vais faire ceci. Singon, tu travailles où? Singon, tu fais quoi dans la vie? Singon, tu fais quoi avec l'homme riche? Singon, tu fais quoi avec le milliardaire? Bibi, nounou. Pendant ce temps, il est dedans. Oui, allô. Oui, bonjour, fils. Mais tu es finalement parti ce matin, ça me dit au revoir. Ah, tu es déjà au port. Merveilleux, merveilleux. Tu as trouvé le transitaire? Ok, tout à fait. Ok. Fais tout et tu lui dis hein, qu'il faut que les scarabées arrivent en Chine en bon état. C'est une grosse affaire. Ok, 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 quoi. Tu lui passes mon bonjour alors. Bon, sauf que j'ai un souci ce matin. Fingon m'a encore appelé à 4h du matin. Souvent il m'appelle à 2h, 3h, mais ce matin il m'a appelé à 4h. Je suis dans l'obligation d'aller vers lui ce matin, lui dire exactement ce que je pense. Tout à fait, fils. Mais ce n'est plus la maladie là qui va me tuer. Ces agissements de Fingon qui vont m'envoyer à la tombe. Je vais chez eux ce matin, je vais dans son petit coin là, dans leur ghetto là. J'ai deux mots à lui dire. Mais ça, c'est pas possible, ça, c'est encore qui ça? Un instant, fils. Oui, bon. Ok, tout à l'heure, j'ai quelqu'un à la porte, là. D'accord. Ok. Tu le fais poilot la tête. Le temps ne fait que passer, je ne fais que vieillir. Toi, tu ne fais que prendre du poids. Qu'est-ce qui bloque? Je l'ai bloqué. Il y a quoi? Non, papa, moi, c'est bien dosé. Et? La dernière fois, on s'est rencontré avec notre président Fingon. On s'est rencontré ou bien on m'a amené chez vous là? Bon, bon, papa, on était ensemble. On fait quoi pour se rencontrer ensemble? Oui, papa, je ne suis pas là pour les problèmes. Je suis diplômé en électricité et en plomberie. Donc, si vous avez des petits jobs à la maison, petits boulots, vous pouvez m'appeler. Voici ma carte de visite. Et on vous a dit que vous êtes en train de ouvrir une quincaillerie? Vous ne connaissez pas le Fonds national de l'emploi? Ouais. Ah, mais ce que je vois, c'est que j'ai comme l'impression, comme vous avez dit, que je vais ouvrir une association de désœuvrés. Hein. Diplôme, et ça me fait quoi? Ouais, papa, juste que vous avez un petit problème. Je ne suis pas en train de vouloir ouvrir une association de désœuvrés. Mon Dieu.
Papa, c'est pas avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu là proposer ses services. Hier, il y a quelqu'un qui est venu. Aujourd'hui, c'est vous qui venez. Je ne veux pas créer une association des désœuvrés de ce quartier. Vous avez compris? Oui, papa, je n'ai pas de travail. Donc, si vous pouvez m'aider, pardon seulement. Pardon, vous aider? Si un pour vous m'appeler, c'est comme je suis au quartier. C'est rapide. Mais si on m'a foutu dans quelle merde là? Mais c'est pas pour. Est-ce que. Mais attends. Parce que pas si venu en paix. Non, mais. J'ai besoin du travail. Non, ça ne va pas se passer comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Fichez-moi le camp. Papa. Dégagez-le. Non, avant que j'appelle le gardien. Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. Pas une chance, papa. Pardon? Même une chance, papa. Même la troisième, vous n'aurez pas. Du tout. Mais ce fingon là, c'est. Mais à la fin, j'ai comme l'impression que c'est. Il y a un truc qui ne va pas, hein? Il va m'entendre passer. En plus, c'était très fort en matière scientifique. Tu bavardes pour rien. C'est-à-dire, on est théorique. Théorique, enseignement général. Prrr, technique. On juge le maçon au pied du mur. Ah, ce qu'elle veut te dire. Parce que la dernière fois ici, j'ai parlé. Je croyais que tu comprenais, mais you don't understand. Dame Rianne Carona, passe à la vitesse supérieure. Viens de dire bonjour. Ah, yo. Ça va aller, tu es en train d'aller comme ça chez nous, n'est-ce pas? Nous de QG, non? Notre maison est devenue votre QG. Tu trouvais ça normal jusqu'à tu le dis aussi simplement, votre QG. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, yo? Vous n'avez même pas honte, les jeunes comme vous. Vous ne vous donnez pas les conseils. Comment vous ça? Montez, vous descendez avec haricots. Un aîné comme ça, là, vous ne pouvez pas lui parler, lui dire d'arrêter ce qu'il fait. La boisson, c'est lui. Fumer les bêtises, là, c'est lui. Pour finir, il fait prostituer ma petite soeur. C'est normal. Aïko, on conseille Aïko, le savant. Il est philosophe, il connaît tout, tout, tout. C'est quel genre de vie qu'il mène, un aîné comme ça, c'est quel genre de vie qu'il peut mener. Il passe tout son temps à boire, l'alcool, c'est lui. Prendre les bêtises, là, c'est lui. Maintenant, pour finir, il fait prostituer ma petite soeur. À part le travail là-bas, est-ce que Aïko, c'est un enfant? Est-ce qu'on va prendre le fouet pour fouetter Aïko? C'est un vieux. C'est ce qu'il a choisi, donc, s'il fait bien, est-ce que c'est mauvais? Normalement, un jeune doit utiliser ses forces de la jeunesse pour préparer son avenir. Hein? C'est son boulot, non, c'est son travail. Pour lui, ça parle de force qu'il fait. Tu veux comment ça se passe? Tu proposes quoi? Ce que je propose. Oh. On va tout vous dire. C'est toi qui dis. Non, ça va pas pareil. Bon. Hey, yo. Hey, pardon. Hey. Yo, tu es mort, hein? Hey. Ça, c'est un dossier. Hey, yo. T'as combattu à l'église? Hey, yo. Hey. On va tout vous dire. Tu vois, la veuve qui venait pleurer souvent ici à la maison, elle a crié haricot, j'ai besoin de toi, haricot, j'ai besoin de toi, haricot. Parce que mes combien je framponne. Oui, monsieur Fingo. Oui. Essaye un peu bien de m'indiquer l'entrée de chez toi. Je suis à la fin d'une barrière là. Ah, que je longe là où je vois les cannes à sucre là. Il m'amène où là? Oui, je suis à la fin des cannes à sucre. Ok, ok, merci. Ouais, pardon, il y a ce sujet-là. Qui ignore c'est ce que je veux. Qui ignore le quartier, c'est que tu es puceau. Ouais, laisse, laisse. Dis-moi. Et pourquoi ça t'intéresse même de savoir ce qu'il fait avec le monsieur là? Ne me dis plus jamais que je suis puceau. Ne me dis plus jamais. Je peux te supporter. Moi, si toi, tu commences à parler des choses comme ça, les autres vont dire quoi. Monsieur Fingon. Monsieur Fingon. Répondons-moi ça comme ça. Toi, tu viens, tu te mets à mettre, tu déchires la batterie. C'est ce que manie ça. Et regarde le temps que tu me perds. Moi, je suis quelqu'un très occupé. Je suis très occupé. Là, j'étais en train d'aller voir le directeur du cadastre. Ah, j'ai le titre foncé déjà. Donc, je tenais. Le directeur du cadastre m'attend déjà.
Il dit quoi? Monsieur Fingon. On demande. On dit chez nous que c'est celui qui vient, qui a à dire. C'est moi qui viens vers vous. Et c'est pour vous dire deux mots. Je t'appelle. Tu dis que j'ai besoin d'argent, non? Non, je ne suis pas venu ici pour un problème d'argent. Je suis venu ici pour qu'on fasse une mise au point. Hey! Tu m'as venu? Je commence à en avoir marre. Ah, 2h du matin. 3h du matin. Et aujourd'hui, à 4h du matin, tu m'appelles. Oui. Il y a les heures pour t'appeler. Tu as déjà, tu prends les remèdes même à 2h, 4h, tu bois les remèdes, non? Je suis une posologie pour ces médicaments. Tiens, pardon. Posologie, médicaments, il y a foutre. Tu veux me donner l'argent, tu veux me faire une leçon de morale. Ta leçon de morale, il fallait faire ça pour te protéger. Monsieur Fingon, c'est une maladie. Elle peut aussi vous arriver. Moi, je me chausse. Je triple même les condoms. Tu prends ta quelqu'un, tu enfonces dans tous les tuyaux. Tu dis que c'est une maladie. Attends, ça vient dans l'air. Monsieur Fingon. Je ne suis pas sorti pour causer avec toi pour faire un débat. Le chez moi devient le Fonds national de l'emploi. Oui, ça va. Mais ça, c'est quoi? J'ai un informaticien, j'ai un médecin qui est venu. Mais attends, le chez moi, ce n'est pas une organisation. Attends, il est comment? Il y a un qui est arrivé ce matin, il a dit que c'était bien dosé. C'est quoi que ça? Merde! Bien dosé? Oui. Il est passé là-bas? Ce matin. Petit papa et Mato. Bien dosé, passé là-bas, fait quoi? Tu connais ce que les. Ah, ok, l'air. On t'a dit que c'est ça là-bas. Oui, Godan. Oui, je suis au QG. Quel que tu as la belle est douce. Je suis au QG, gars. Allez, quoi, Dieu? Ouais, je suis là. Non, pas. Tu veux quoi? Toi, tu veux sourire. Quoi? Tu n'es pas sûr. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit qu'elle n'est plus au niveau là. Nous sommes déjà en train de développer autre chose. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Hein? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc, avoir une minute, pardon. Non, tu ne pas sûr. Je sais, non, je gère ça tout à l'heure. Hein, c'est quoi ça? Oh, ouais, c'est la famille. Viens, tu parles dedans. Le truc est simple. Film Fingon. Je veux ses nudes. Lui, il dort là. Tu filmes sa fesse gauche. Tu filmes son. Tu filmes. On va faire le chantage avec ça. Il va aboyer. Quand tu vas filmer, tu penses que c'est un gars qui fait un chantage. Ça ne tient rien à filmer. Ça va glisser comme un combo. Ça va descendre. Le côté oublie déjà ça, pardon. Attends, il n'a pas peur qu'on mette ses nudes dehors. Tu es quand même le type là, il s'en fout, là comme le chien, il s'en fout. Ah ben dans les, ça c'est un refaire du Fingon, il n'y a pas, donc il n'a peur de rien, il n'a peur de rien. Il me dit qu'il est ingénieur en électricité, je lui ai demandé si je dois, si... Quel ingénieur? Quelqu'un qui a la torche, il ne sait pas mettre la pile, quel ingénieur? Il vient incendier ta maison. Mais il me cherche quoi? Je vais régler le compte. Donne-moi l'argent que tu veux me donner. Donne-moi l'argent. Non, je ne suis pas venu te donner l'argent. Attends-moi là. Oh, vraiment, toujours! Tu es mal dosé. Non, à écouter à travers les portes. Je ne suis pas fier de toi. Pourquoi? Nous ne sommes même pas un peu fiers de toi. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu crois que non. Il a fait quoi? Tu n'as rien fait. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Ouais, mon frère, explique-toi, Marie Jamelin, ou quoi, moi, on s'était dit qu'on devait enquêter par rapport à ce qui se passe entre le milliardaire et le président. Toi, tu peux-tu gérer seul en sous? Là, que c'est normal. Moi, j'ai géré seul. Tu n'as pas géré seul. Oh! C'est gros Dan qui t'a devancé, il m'a devancé, il nous a devancé. C'est lui qui s'en va là-bas pour chercher à enquêter. Mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu es parti avant. Donc, je n'ai pas été renseigné. Regarde-moi. Tu n'as pas fait un retour de ça. Non, c'est même pas ça, gars. C'est pas bien. Non. Il faut être chrétien. Il faut être chrétien. J'attrape gros Dan. C'est le fils du gars là, celui qui fait une jance, qui est métisse là. Oui. C'est lui qui me dit que. Il semble que mon frère est venu là-bas. Il dit quel frère? Je crois que c'était toi. On me dit que c'est gros Dan. Il dit à gros Dan, on ne fait pas ça. Mieux, on fait la coalition. Tu sais qu'on doit être comme les hommes politiques. N'allons pas en rang dispersé. C'est pourquoi on perd les élections.
Soyons en bloc. Mais tu n'étais pas là-bas avant lui. Je te jure que si j'étais là-bas avant lui, je dois encore perdre une dame. Moi, je pars là-bas, je vais chercher quel genre de formation. On est ensemble, on est une équipe. Toi. Attends, il arrive, non? Qui? Gros arrive, on va s'expliquer. Moi, il ne veut pas qu'on ait les problèmes. Ouais, je on laisse ça. On laisse comment? Il vient, on s'explique. On doit connaître la vérité. Tout le monde ne doit pas se mentir. On ne doit pas se mentir. Pas comme ça. Non, moi, je n'aime pas ça. Je ne veux pas qu'on ait des problèmes sur les discussions qui ne servent à rien. Mieux, je préfère qu'il m'accuse. Tu vois? Moi, je pardonne parce que moi, je suis un chrétien. Bon, en passant, je suis tombé tout à l'heure en ménage, je suis tombé sur ta soeur. Elle m'a raconté les choses que tu fais, gars. Yo. Ta soeur, oui, non? Yo, non? Elle m'a raconté ces choses que tu fais, gars. Non. Elle dit quoi? Yo, petite, dit quoi? Donc, tu es irresponsable. Donc, toi, l'homme de la maison, tu ne crois pas sur tes petites soeurs. C'est normal, tu te fais normal. Elle te voit dehors comme ça. Elle dit que tu crois, hein? Tu que tu es irresponsable. Tu n'écoutes pas ce qu'elles te disent. Est-ce que c'est normal? Yes. Le démon agit encore. Le démon agit. Poum poum. Poum poum. Sois, viens. Tu l'appelles pourquoi? Non, elle doit connaître la vie. Oh, l'inceste, c'est juste. Hein? Quand tu sors, vroom. Oh. Tu entends? Tu as rencontré qui? Yo. Personne, non? Io marche déjà avec mon nom est dehors. Mon nom est dehors. C'est comme ça que le voisin m'a dit l'autre jour, c'est là que dans leur église là, ils étaient en train de chanter sur mon nom. On écrase. Elle marche avec mon nom. C'est ça que j'ai envie de te dire, mon frère. Je ne sais même pas. Peut-être un t'a pas vendu la Bible. Tu l'as appelé pourquoi? Tu as donc dit quoi? Pour que tu sois au courant. Parce que quand il va dégamer. Non, laisse. Mais quand elle veut dégamer, je suis gentil, elle peut dormir ici. On dort bien ici. À 5h, il y a ce collant. Comme Dieu est loin, il faut qu'elle gronde. Je vais gérer Io, pardon. Laisse avant, je dois se fatiguer. Quelqu'un passe le temps à danser à l'église, à sauter. Donc Io est fort. Regarde, tu as gâté nos causeries, vraiment. Non, suivez-moi. Je commence à vraiment avoir assez. Je vais vous donner quelque chose, mais s'il te plaît, essaie un peu d'organiser. Je voudrais bien qu'on reste sur le deal. Tu prends le médicament, je vais te donner. Mais écoute, attends, tu veux me faire le chantage? Non, c'est pas ça. Tu veux me faire le chantage? Si. Je ne suis pas obligé de t'aider, hein? Sida, je ne suis pas obligé de t'aider, hein? Monsieur Fimon. Je ne suis pas obligé de t'aider, hein, Sida? Je ne suis pas obligé. I'm not obligé. Oh! Monsieur Fingon, me voici aujourd'hui dans ton enclos, là où je viens là. Est-ce que je devais arriver ici? Hein, bon. Donc, nous sommes les porcs. Donc, moi qui vis ici, je suis un porc. L'ai-je dit? Toi, tu ne viens pas après. Tu ne pas tu quoi? Il t'a dit que, avec moi, ne fais pas ton orgueil. Hein. Ne fais pas ton orgueil. Ce n'est pas un problème d'orgueil, c'est juste que. Voilà. Restons humains. Tu connais les grandes personnalités avec qui moi je deal? Hein? Tu as entendu parler du noble Bayangan? Je dis la vie, lui, c'est les gens avec qui je me côtoie, je mange. Les Moulongos Oscar. Mais alors? Non. Le respect est mutuel. Et je te dis que tu es tout imbu. Tu es tout imbu. La nature n'aime pas des personnes comme ça. Monsieur Fimou, le chez moi n'est pas le Fonds national de l'emploi. Dis à tes gars de ne plus venir, de venir toquer chez moi. Mais on m'a dit que tu as le permis du port d'armes, non? Sois là, me tue sur eux. Ils savent d'abord à quoi dans la nature? C'est les boucs et les chèvres, ils savent à quoi? Bref, ils vont me sentir. Donne-moi la langue que je t'aime. Je peux même faire même par Momo, hein? Je me fais par Momo, donc. Par Momo? Oui. Je peux le faire par Momo. Ok. Moi, je te dis que toi, tu es l'homme de la famille. Ah, écoute, je ne sais pas. Tu dois orienter tes soeurs. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Bien dosé. Il y a une chose, c'est que. Parlons peu, mais parlons vrai. Tu fais comment pour écouter ma soeur? Mais toi, tu dois avoir un problème. Elle est possédée. Il n'est pas normal. Elle est possédée. Tu es responsable. T'en dis la vérité, tu es responsable. Bon, tu quand tu... Moi, on va se mettre en bloc.
pour essayer de combattre ce qui doit nous arriver. Je t'ai envoyé 50 000. Attends, tu m'envoies 50 000 par rapport à quoi? Complète zéro, dis donc. Oh. Bon, avec les 100 000 francs, ça va faire 150 000 francs que je t'envoie. Quand tu apportes les médicaments la prochaine fois, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Okay. Mais s'il te plaît, essaie un peu de mettre de l'ordre dans ta prairie. Et moi, je te dis, la vie n'est pas dans les... On n'est pas dans les bruits. Tu as peur d'une femme. Donc, elle arrive là, tu changes de sujet. Tu as peur d'une femme. Et ta petite soeur. J'ai peur d'un cadavre. Elle est déjà morte, je ne peux plus tuer ça. Tu n'as même pas honte. Ah, tu suis les hommes, mon frère. Je ne suis pas. Je suis un homme. J'ai l'autorité ici. Tu as l'autorité. J'ai l'autorité ici. Quand elle vient, tu es capable de parler. Oh là 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 là. Viens doser. N'entre pas dans cette histoire. Je frappe. Un vrai homme. Un vrai mec. Il y a les couilles. Parle en face. Tu parles derrière. Hein? Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Je ne veux pas la tentation. Je ne subis pas la tentation. Je ne subis pas la tentation. Un vieux colombe. Ah non. Le Dieu que je sers me demande de me contrôler. Mmh. Je ne subis pas la tentation. Que j'entende encore mon nom dans ta bouche là. Jésus écrase les démons. Protège haricot. Ben bas. Ou le démon. Tu suis la race des hommes. Ferme ça. Ferme une petite soeur, tout comme ça. Oui, parce que tu veux les problèmes dans les familles. Tu es ici comme ça, tu ne peux pas donner un conseil que non. Comme tu vois là, ne frappe pas. Toi, tu me conseilles de frapper. Mais regarde ta vie, tu n'écoutes d'abord personne. Ta petite soeur vient, tu es incapable de reprocher ta petite soeur. Quand tu es sorti ta bouche. Quand on rafle même les gens ici, on ne te rafle pas pour voir. Attends, regarde. Tu vois comment tu es, non? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as pas l'espèce. Qu'est-ce qu'il voit? Ouvre ta veste, voir. J'espère que tu n'es pas pipoqueté. Ouais, ouvre ta veste, voir. Le vieux, ça, voilà, les 20 dollars. Quand tu fais ça, donc tu me fais que j'aille m'aligner devant le call box. Donc, oh. Dès qu'on parle d'argent, tu deviens subitement humble. Bon, c'est fini. Mets de l'ordre. Non, je ne te gêne pas. Dans ta prairie. Ne te gêne pas. Laisse. Je veux gérer ça. Et comme tu as dit que j'ai une arme, je risque d'avoir usage. Je risque de vouloir faire usage de cette arme-là. Fils sur un. C'est un groupe de porcs avec les moutons, les chèvres. Fils sur un. On va déclarer qu'on a tué une chèvre. Il vient faire quoi là-bas? Regarde. Tu me déposes, non? Non. Non, je n'ai pas allé dans ta voiture. Je vous dépose à la voiture. Ah non. Ok. Le dit-on? Ça va? Ça, c'est du tout. Ah, ne me dépose pas. Normalement, il peut même attraper la contamination. Ne me dépose pas. Oui. Normalement, il doit causer avec toi, même quand avec le cache-nez. Tu peux être contaminé. Il fripouille. Tu vas migrant, mais laisse, je ne t'aime pas. Après, c'est avant de finir. Si je ne veux pas. Un grand magasin, c'est que moi-même, je suis con. Merde, là.